À New York, vers la fin de sa vie, le grand chef Sioux, Sitting Bull, se fait payer $1 pour être photographié par les spectateurs du show de Buffalo Bill. Calamity Jane et Will Big Hickok demandent eux aussi $1 par photo. Le prix est resté stable. Pour $1, on peut prendre en photo le plus fameux cowboy du moment, Naked Cowboy, un cowboy en maillot, chapeau Stetson et bottes de cuir. L'image du cow-boy reste forte en Amérique. Et le cow-boy nu de Times Square, qui chaque jour fait son show en petite culotte, hiver comme été, est une attraction quasi officielle. Il est le symbole d'un passé que personne ne veut oublier, celui des grands espaces et de la liberté. L'Arizona, dernière frontière pour les pionniers qui voulaient rejoindre la Californie, est resté le pays des cow-boys, les garçons de vaches, les hommes qui acceptaient de passer leur vie à cheval pour garder les troupeaux. Rodéo vient de l'espagnol rodear, encercler. Le mot est repris par les cow-boys au 19e siècle pour désigner le rassemblement annuel des troupeaux qui vivent en liberté. Les cow-boys doivent réunir les bêtes pour les trier et marquer les veaux qui sont nés pendant l'année. Très vite, les rassemblements se terminent par des fêtes où l'on compare leurs prouesses. Le rodéo devient un divertissement. Les associations de cow-boys ont des calendriers chargés. Il y a les rodéos, mais aussi les rassemblements en costume d'époque, les séances de tir, les concours d'équitation. Les participants élèvent leurs chevaux, sillonnent les routes avec des camping-cars et choisissent pour campement les anciennes haltes qui jalonnaient les pistes du pays. En 1862, une loi autorise les pionniers à s'installer sur les terres vierges de l'Ouest. Des milliers de personnes se lancent sur les pistes. Les caravanes de chariots tirées par des bœufs traversent le pays. Elles font jusqu'à 5 km de long. On y parle allemand, russe, tchèque, polonais, norvégien. Dans les guides publiés pour les pionniers, il est recommandé de voter un code de bonne conduite dès la première halte pour organiser la vie du groupe pendant le voyage afin d'éviter que chacun veuille gouverner et que la confusion ne prenne le pas sur l'ordre et la sécurité. Aujourd'hui, on vote encore chez les cow-boys, mais c'est pour élire le meilleur tireur à cheval, le plus beau costume ou la cow-girl de l'année. Quand le week-end s'achève, les cow-boys quittent leur costume et reviennent à Tucson, la ville du désert. Tous les dépliants touristiques l'affirment. L'air que l'on respire à Tucson a des qualités sans pareil. Il est sec et chaud, tout en restant supportable. Et la ville est si étendue qu'il n'y a pas de pollution automobile.
ses habitants apprécient les vastes maisons disséminées au milieu des cactus, où ils s'accommodent des serpents à sonnette. Ils aiment les grands espaces, l'individualisme et la liberté. Tucson est la ville la plus visitée de l'Arizona. Elle a su conserver des vestiges de son passé historique. Son université et ses musées sont réputés. Ses deux activités principales sont les hautes technologies et le tourisme. La ville a d'abord été espagnole, puis mexicaine, avant d'être américaine. Les conquistadors ornent les murs, sans cesse à la recherche de cités disparues, bâties avec des pierres d'or. Pancho Villa a sa statue, cadeau du gouvernement mexicain, en souvenir de l'époque où il venait attaquer les banques de ce côté de la frontière. Dans un quartier de notables, surnommé le coin des snobs, au milieu des orangers, s'installe en 1947 un écrivain belge, amoureux des États-Unis et passionné par les cow-boys, Georges Simenon. Il habite Kingan Place, demeure d'un homme de loi, collectionneur de tableaux et d'objets d'art. Arrivé aux États-Unis depuis 2 ans, il parcourt le pays, écrit et donne des conférences. À Tucson, il apprécie la nature sauvage qui entoure la ville et son rythme paisible. Il se sent en vacances et écrit « Maigret en vacances », puis un roman de l'Ouest, « La jument perdue », une histoire de vengeance, de joueurs de cartes et de cavaliers solitaires. Au volant de sa Packard, une belle voiture américaine, il sillonne le Far West, celui de ses lectures d'enfance. Il découvre des villages fantômes et des décors de films construits par les studios de cinéma de Tucson. Détruits par un incendie, les studios se sont transformés en parcs de loisirs. Plus de 100 films ont été tournés ici. Rio Bravo, Hombre, Le Masque de Zorro, Geronimo, La Petite Maison dans la Prairie, Règlement de compte à Hockey Corral. Et Tucson a vu passer tous les acteurs américains. Elizabeth Taylor, James Stewart, John Wayne, Dean Martin et Paul Newman, Clint Eastwood et Sharon Stone. Ils ont appelé Tucson « Hollywood dans le désert ». On vient voir des règlements de compte et des cascades qui parodient les films classiques. On cherche et on trouve de vraies paillettes d'or près du campement des mineurs. Plus tard, après un repas de cow-boy, on ira s'abriter de la chaleur dans le saloon où des artistes de variété dansent le French Cancan. Dans ses mémoires, Georges Simenon décrit son voyage à Tombstone, la ville où s'est déroulée la fusillade de Hockey Corral. Il commence la visite par le cimetière. Il note tout ce qu'il voit sur un petit carnet. Avant la création de la ville, un jeune prospecteur cherchait des filons d'argent, seul dans les collines. Aux soldats qui l'interrogent, il dit qu'il cherche des pierres. Les soldats lui répondent que la seule pierre qu'il va trouver sera sa pierre tombale, Tombstone. Il va appeler son premier filon Tombstone. Ce sera la ville la plus mal famée de l'Ouest. L'attraction du cimetière est la tombe de George Johnson, victime d'une erreur judiciaire. C.J. George Johnson,
Pendu par erreur, nous nous sommes trompés, mais on l'a balancé du haut d'une corde et il en est mort. Le règlement de compte qui a immortalisé la ville a lieu le 26 octobre 1881. Ce jour-là, le shérif Yet Earp a décidé de prendre sa retraite et d'épouser sa fiancée. Mais des bandits ont menacé son frère. Il doit les arrêter. Adepte des méthodes expéditives, il va chercher son ami Doc Holliday, dentiste et as de la gâchette, retrouve les bandits, les provoque et réussit à les abattre. Un duel est toujours rapide. Pour faire durer le suspense, les premières escarmouches ont lieu dans la rue. Puis les justiciers emmènent le public dans un théâtre en plein air, l'authentique lieu de la fusillade finale. Gunfight at the OK Corral. Pendant que Yet Earp fait régner l'ordre à Tombstone, à une centaine de kilomètres plus au sud, les tuniques bleues de la cavalerie s'installent à Fort Huachuca. Deux statues racontent l'histoire du fort. La première est celle d'un officier de cavalerie en observation avec son éclaireur indien. Il guette les Apaches qui font de fréquentes razzias. Ils sont insaisissables et plusieurs expéditions seront nécessaires pour arriver à la reddition de leur chef, Geronimo. La deuxième statue représente un soldat noir. Il fait partie du 10e régiment de cavalerie, une unité d'élite appelée par les Indiens les Buffalo Soldiers. Premier régiment noir formé pendant la guerre de sécession, il combat ensuite les révoltes indiennes dans le nord-ouest avant d'être envoyé à Fort Huachuca pour pacifier la région. Pendant la Première Guerre mondiale, les Buffalo Soldiers ont participé au combat contre les Allemands. Avant les pionniers et les cow-boys, ce sont les religieux espagnols qui sont venus explorer ces territoires. Loin du Mexique où la violence de la conquête les a troublés, les missionnaires veulent créer avec les Indiens des communautés de progrès et de paix. La mission Saint-François-Xavier est fondée au début du XVIIIe siècle par un père jésuite, Eusebio Quino, au point de résurgence d'une rivière. Le missionnaire apprend les langues et les coutumes indiennes, fournit aux tribus de nouvelles semences et des animaux d'élevage. Quand il célèbre la messe, il commence par invoquer le Grand Esprit. Mais les Espagnols ouvrent des mines dans la région et réquisitionnent les Indiens. Eusebio Quino résiste, il est rappelé au Mexique. Dans l'église, une relique attire les pèlerins. Elle représente Saint François-Xavier, le père des missionnaires jésuites. On lui confie des photos, on lui indique un organe malade, on le touche et on le soulève. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, on peut lui envoyer un message par Internet. L'Arizona reste la terre des utopies et ses déserts abritent des expériences surprenantes comme Biosphère 2, une station d'études pour la survie sur d'autres planètes.
Initiative privée financée par un milliardaire texan, Biosphère 2 voit le jour en 1990. Cette année-là, 8 hommes et une femme pénètrent sous les dômes scellés pour vivre au milieu de 3 écosystèmes qui ont été recréés. Un désert, un océan et une forêt amazonienne. Ils doivent tenir le plus longtemps possible. La station doit produire son oxygène, sa chaleur et recycler son gaz carbonique. Mais des difficultés surgissent. Les micro-organismes introduits dans le sol pour favoriser la croissance des plantes consomment plus d'oxygène que prévu. L'équipe demande à sortir au bout de 2 ans. L'expérience de Biosphère 2 a échoué, mais elle a montré la difficulté de contrôler des écosystèmes. Pour quelque temps encore, nous devons nous résigner à rester sur Biosphère 1, la Terre. Au nord de l'Arizona se trouve la réserve des Indiens Navajo, la plus grande réserve indienne des États-Unis. Il y a 5 millions d'Indiens aux États-Unis. Descendants des premières populations du Nouveau Monde, ils vivent où bon leur semble, mais la plupart d'entre eux sont restés dans les réserves indiennes où leurs tribus ont été déplacées au 19e siècle. Guerriers nomades, les Navajos originaires du Canada sont arrivés en Arizona vers le 15e siècle. Ils se déplacent en suivant les canyons. Sur les parois de pierre, ils trouvent les traces d'un peuple qui les a précédés et qui a disparu bien avant leur arrivée, les Anasazis, les ancêtres. Ils ont laissé des peintures et des ruines d'habitation dans les falaises. De reptiles. Le serpent à sonnette se mange. Ses anneaux desséchés favorisent les accouchements et son venin sert à enduire les flèches. Au contact des Espagnols, les Navajos apprennent à monter à cheval, découvrent les armes à feu, élèvent des chèvres et des moutons. Devenus sédentaires mais restés bons guerriers, ils opposent une forte résistance à l'avancée des visages pâles jusqu'à l'offensive menée par le colonel Kit Carson en 1864. Assiégés dans les canyons, affamés, les Navajos se rendent et sont déportés au Nouveau-Mexique. Après 4 ans d'exil, ils sont autorisés à revenir sur leurs terres. Le dimanche, dans les églises de Window Rock, capitale de la réserve Navajo,
les fidèles viennent écouter des sermons, chanter des psaumes et se délivrer du fardeau de leurs péchés. Connus pour ne pas craindre la mort, ils se sont pourtant convertis en masse après leur reddition, cherchant dans la religion des Blancs une issue à leur désespoir. Mais la plupart d'entre eux continuent d'invoquer le soleil au lever du jour. Ils écoutent les conseils des hommes et médecine, ils respectent la terre et connaissent le langage des cristaux cachés dans les rochers. Et pour se purifier, ils prennent des bains de vapeur dans des huttes surchauffées recouvertes de terre. Comme toutes les réserves indiennes, la réserve Navajo est un territoire autonome aux frontières bien définies. La terre appartient aux Indiens qui ne peuvent pas la vendre à des non-Indiens. Window Rock est le siège du conseil tribal Navajo. Élu tous les 4 ans, le conseil vote les lois qui s'appliquent aux 250 000 Indiens de la réserve et aux résidents non-Indiens. Avant la session parlementaire, quelques-uns des 88 députés, réunis par commission, préparent les dossiers. C'est ici qu'a été votée dernièrement une loi interdisant l'exploitation de mines d'uranium sur le territoire. À la station radio, le premier bulletin d'information en langue navajo à 4 heures du matin est celui de Ray Tsotsi. Depuis 20 ans, il ouvre l'antenne tous les jours, sauf le dimanche. Les événements locaux et nationaux sont aussi rapportés par le Navajo Times, un journal rédigé en anglais sur lequel veille Willy Otsoe, l'œil de l'imprimerie. La police, elle, veille sur l'ordre public. Les jours de paye, elle dresse des barrages et contrôle les voitures et leurs passagers. L'alcool est interdit dans les réserves. Cette interdiction divise la communauté depuis le projet de l'ouverture d'un casino. Pour les opposants, les salles de jeu sont des lieux de perdition, dominés par l'appât du gain, le relâchement des mœurs et l'abus d'alcool. Les défenseurs du casino mettent en avant la venue des touristes blancs, les bénéfices et les emplois. Un référendum tranchera. Ce soir, c'est la fête. Le groupe Navajo Stateline donne un concert sous un hangar. Window Rock, la fenêtre de pierre, est un ancien site de danse rituelle
L'ouverture dans la roche est une porte sur les différents mondes qui se sont succédés depuis le début des temps. Celui des insectes fornicateurs, celui des hirondelles trompées, celui des sauterelles bafouées, celui du peuple sacré, puis le dernier monde, celui des Navarros, le monde actuel. On reste en harmonie avec les différents mondes en respectant les coutumes. Le matin, la salutation au soleil se fait avec du pollen de maïs. Il ne faut pas oublier de se purifier la langue pour que les paroles de la journée soient sincères. La hutte de sudation est commune à tous les Indiens d'Amérique du Nord, du Canada au Mexique. Elle varie de forme, mais son principe reste le même. Un trou dans la terre où l'on s'enferme avec des pierres chaudes pour transpirer. Chaque famille Navarro a sa hutte. On crie avant d'entrer, pour prévenir les esprits, pour les inviter. Le bain de vapeur soulage les maladies du corps et de l'âme. C'est une cérémonie de purification. Les hommes vont dans la hutte le jour, les femmes le soir. Les hommes doivent avoir le prépuce noué avec un cordon avant d'entrer pour qu'aucune goutte ne souille le sol. Pour ces séances de thérapie, Phil Bluehouse travaille dans un hogan, une maison traditionnelle. Phil Bluehouse pacifie les esprits. Diplômé en psychologie, il s'enferme avec les détenus, les délinquants, les victimes de violences physiques. Il leur parle de savoir traditionnel. Il trace d'abord un chemin d'accès sur le sol avec des tissus de couleur, puis il sort ses cristaux. Les couleurs des cristaux correspondent aux quatre directions, aux saisons, aux éléments. Ils permettent de reconstituer et de visualiser le monde environnant. Ils représentent aussi chacun de nous, sa famille, son énergie, ses capacités et ses faiblesses. Ils nous replacent à l'intérieur du monde. Il faut plusieurs séances pour que la personne qui souffre aille mieux, pour qu'elle retrouve sa place dans la voie des cristaux, la voie de la communauté. À l'école, les cours sont en navarro. C'est une langue orale qui n'a commencé à être écrite que tardivement par les militaires et les missionnaires qui vivaient avec les Indiens. Au début de la guerre du Pacifique, l'armée s'intéresse de nouveau aux navarro et à leur langue. Elle cherche un système de codage pour ses messages et découvre que le navarro est la seule langue indienne qui n'a jamais été étudiée par les Japonais. Des unités de transmission sont constituées avec 400 soldats navarro, les code-talkers.
Pour les termes militaires inconnus en navarro, les Indiens jouent avec les mots. L'aile de poulet veut dire un bombardier, l'hirondelle est une torpille et la tortue un tank. Les Japonais n'arriveront jamais à comprendre les messages des codes talkers qui reviennent au pays avec de nombreux scalps à la ceinture. Le sol de l'Arizona est riche en turquoise. La pierre est un porte-bonheur et chaque Navarro en porte au moins une sur lui. Il y a les turquoises naturelles et les synthétiques, les pierres récentes et les anciennes, et il y a maintenant les pierres qui arrivent de Chine, elles aussi naturelles ou synthétiques, neuves ou anciennes. On dit aussi qu'une turquoise permet de vérifier la fidélité de celui ou de celle qui la porte. Si la pierre ternit, c'est mauvais signe. Chaque enfant s'est monté à cheval. C'est le cheval de la famille. Il est chez un oncle, chez un cousin, dans la famille élargie, mais on sait qu'il est là. Le cheval fait partie du monde navarro. Roger Dawsey, sa femme et leurs deux fils sont dresseurs de chevaux. Ils attrapent des chevaux sauvages qui vivent en troupeau dans les montagnes. Les chevaux sauvages passent l'hiver dans la neige. Ils s'abritent dans les grottes et les canyons. Ils mangent des écorces d'arbres. Une fois domestiqués, s'ils mangent les barrières de bois, c'est qu'ils manquent de minéraux. Quand John Ford tourne le film Les Cheyennes, il prend des Navarros pour la figuration. Ils doivent parler en Navarro pour faire plus vrai et comme personne ne comprend ce qu'ils disent, ils racontent des blagues. Les Cheyennes est le seul western qui fait rire les Navarros. 1 500 km séparent l'Arizona du Sud Dakota, ancienne terre de bison traversée par le fleuve Missouri. C'est ici qu'ont vécu Sitting Bull et Crazy Horse. C'est le pays des Sioux. En 1890, les Sioux ont été répartis sur 6 réserves distinctes et leurs montagnes sacrées ont été confisquées par le gouvernement. Depuis, ils réclament leur restitution. Sur une de ces montagnes sont sculptées les têtes de 4 présidents des États-Unis. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. C'est le mont Rushmore. Il attire chaque année 2 millions de visiteurs. Baptisé sanctuaire de la démocratie, le monument est décrié par les Indiens qui, de temps en temps, escaladent les têtes et les recouvrent de banderoles.
En 1939, le chef Henry Standing Bear, ours debout, demande au sculpteur Korzak Zielowski de faire une réplique indienne du mont Rushmore. Ils choisissent le personnage de Crazy Horse, cheval fou, grand chef de guerre et héros légendaire. Les travaux démarrent en 1948 à 15 km du mont Rushmore. Ils ne sont pas terminés et vont durer encore plusieurs années. Seule une bande de pierre indique le massacre d'un village en décembre 1890 par les troupes américaines venues le désarmer. Voyant que les soldats rencontrent de la résistance, le colonel ordonne le feu. Les nouvelles armes, des canons à tir rapide, fauchent sans distinction américains et indiens. 150 guerriers, femmes et enfants sont enterrés dans une fosse commune. Les américains comptent 25 morts, la plupart tués par leurs canons. Wounded Knee marque la fin des guerres indiennes. Après 25 ans de violence et de massacres, de traités de paix signés et rompus, de terres accordées puis reprises, les Sioux déposent les armes et sont dispersés sur plusieurs réserves. Elles resteront les plus pauvres des réserves indiennes jusqu'aux actions des militants de l'American Indian Movement en 1970. Les revendications font la une des journaux et commencent à être prises en compte. Les réserves, peu à peu, sortent de l'oubli. Une légende raconte qu'au début des temps, l'eau recouvrait la terre. Sur un immense radeau, les animaux guettent en vain l'horizon. Le lièvre, qui a de grands pouvoirs, dit que si on lui trouve une pierre, il fera surgir une plaine et des montagnes. Tous plongent, l'aigle, le castor et le renard. Mais ils remontent vite à moitié noyés. Seul manque le rat. La nuit passe, on le croit mort, mais le corbeau l'aperçoit, qui flotte gonflé d'eau. Dans sa patte fermée, il porte une turquoise. Le lièvre prend la pierre, souffle dessus, et une terre sort des eaux. Une fois installés, les animaux donnent naissance aux humains. C'est depuis ce temps-là que les Indiens appartiennent au clan des aigles, des coyotes et des bisons, et qu'ils portent sur eux la turquoise comme talisman. Aujourd'hui, les Sioux offrent un pot-au-beau de réconciliation aux habitants d'un village en dehors de la réserve, après des bagarres entre les jeunes des deux communautés. À la fin des trois jours de danse, tout le monde se serre la main.
les Indiens n'acceptent toujours pas la perte des Black Hills, la plus sacrée de leurs montagnes, éventrée par les chercheurs d'or. Le gouvernement vient de leur proposer une indemnisation de 5 millions de dollars, mais ils l'ont refusée. Ils disent qu'aucune somme ne fera revivre les aigles, les bisons et les Indiens massacrés sur ces terres, que la nation Sioux est là où ces morts sont enterrés et que les montagnes sacrées n'ont pas de prix. Au milieu des Black Hills, Deadwood, né avec la ruée vers l'or, compte 2000 habitants. Ici, les plus grands personnages de l'histoire américaine sont Calamity Jane et Wild Bill Hickok. Ils ont arpenté les rues de la ville, ils ont tué quand il le fallait, ils se sont aimés et sont enterrés sur la colline. Grâce à eux, même en hiver, les casinos des hôtels restent ouverts 24 heures sur 24. Wild Bill, joueur professionnel et shérif à l'occasion, porte un long couteau à la ceinture avec lequel il a tué son premier grizzly à 18 ans. Après avoir été éclaireur dans l'armée, il suit les chercheurs d'or dans les Black Hills. Le soir, derrière les tables de jeu, il récupère l'or que les mineurs ont trouvé dans la journée. À 40 ans, usé par l'alcool, ses mains tremblent, mais il dégaine plus vite que quiconque. Il a une cinquantaine d'homicides à son actif. Le 2 août 1876, il joue au poker au saloon numéro 10. Contrairement à son habitude, il ne s'assied pas dos au mur. Il est abattu d'une balle dans la tête. Son jeu, une double paire et un neuf, s'appelle la main du mort. Ils sont responsables de la plupart des exécutions sommaires de la frontière, mais c'est un fait que leurs victimes, le plus souvent, méritaient leur sort. Au pied des Black Hills, il y a des bisons. L'hiver, les troupeaux sont si loin sur les terres que personne ne sait où ils se trouvent. Dan O'Brien est éleveur et écrivain. Insoumis pendant la guerre du Vietnam, il est venu au Dakota, s'est lié d'amitié avec les Sioux et a découvert les bisons. À la morte saison, dans son ranch des cœurs brisés, il écrit des romans peuplés de cow-boys, d'indiens et de bisons. Avec son ami Gervaise, professeur de littérature à la retraite, il a créé la Compagnie du Bison Sauvage, commercialise de la viande de bison élevée en liberté. Régulièrement, il récolte des bisons dans le troupeau de l'université indienne de Rosebud, à 400 km du ranch. En langue Sioux, on ne dit pas qu'on tue des bisons, on les récolte. Gervaise, qui a gagné son premier concours de tir à l'âge de 13 ans, est le chasseur préféré des Indiens. Il n'a besoin que d'une balle par bison. Thank you.
Longtemps, les Indiens ont chassé le bison à pied, à la lance et à l'arc. Avec l'apparition du cheval, ils deviennent d'excellents cavaliers. La chasse s'intensifie. Pour les Indiens, tout est bon dans le bison. La peau couvre les tipis et les boucliers, donne des mocassins et des jupes. La chair se mange fraîche ou séchée. L'estomac se transforme en sac et les testicules en hochets pour les enfants. Les tendons sont la corde de l'arc, les cornes un ornement et la queue un chasse-mouche. Quand les voies de chemin de fer traversent le pays, les bisons servent à nourrir les ouvriers. Des chasseurs sont embauchés, l'un d'eux tue 5000 bisons en une année, il se fait appeler Buffalo Bill. Puis l'industrie s'intéresse au bison pour son cuir, sa peau et ses os. En 1883, les bisons ont disparu. Seuls quelques bisonneaux survivent. Un Indien, Samuel Coyote, en sauve 8 et les cache dans la montagne. Ces rescapés sont les ancêtres des troupeaux actuels. Par les armes se trouve en Floride, c'est la tribu des Séminoles. Elle ne compte que 3000 membres. La moitié des terres sont des marécages infestés de serpents et d'alligators. C'est là que les Séminoles se sont réfugiés pour échapper à l'armée américaine. La résistance dure plusieurs années. Finalement, l'armée abandonne et laisse les Séminoles libres. Depuis, ils se désignent comme le peuple invaincu. Ils vivent sur leurs terres tribales qu'ils administrent. Ils ont des plantations de tabac et des élevages de bovins. Ils investissent dans le tourisme et dans le jeu. En 1979, ils installent des jeux de bingo dans un hangar, une loterie avec des cartons et des jetons. Le succès est immédiat et les bénéfices sont énormes. L'État de Floride, qui interdit les jeux d'argent, leur fait un procès. La Cour suprême des États-Unis statue que les Indiens sur leur terre ne sont pas soumis à la juridiction de l'État. Les Séminoles gagnent et ouvrent des casinos. Ils en ont maintenant 7 et ils viennent de racheter la chaîne anglaise Hard Rock Café. 120 établissements répartis dans 45 pays. Seul propriétaire, le conseil tribal répartit les bénéfices entre ses administrations et services publics et verse des dividendes à chaque Indien séminole dès sa naissance sur un compte ouvert dans une banque séminole. Les temps ont changé. Plus personne ne part chercher de l'or dans les Black Hills et les grands espaces du Far West n'attirent plus les caravanes de pionniers. Ce sont les plages, la mer et le soleil qui déplacent les foules. La Floride s'est transformée en paradis pour les vacanciers et les retraités, et les terres des Séminoles sont devenues le pays de l'or bleu.
Le peuple invaincu a pris sa revanche. Les Séminoles sont les Indiens les plus riches.